lowly tarnished. Playing as a lord. I command thee now! They will fight. Brandish the Elden Ring. Et bien le bonjour à tous mes nobles et braves malandrins égarés au cœur de l'entre-terre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Une vidéo où je vais vous parler et vous montrer mes 6 builds préférés sur le jeu, donc des petits builds de Gourgandine. Et je voulais vous dire que ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo vu que j'ai eu quelques petits soucis de santé. On va dire que je me remets gentiment d'un petit Covid, alors ça s'entend peut-être à ma voix, mais bon, ça va le faire pour cette vidéo, donc je m'excuse d'avance pour le petit niveau qui va être un peu triste dans certains combats vu que j'avais un peu de mal à tenir la manette, mais sur ce, on est parti tout de suite pour cette petite vidéo. Alors le premier build que je voulais vous montrer, c'est un petit build basé sur le saignement, donc on va utiliser deux rapières, donc des rapières myrmicéennes sanguines, donc c'est des rapières qui picotent bien. On va utiliser aussi l'étendard de commandant afin de buff nos statistiques, car de base nos rapières sont à 628 de dégâts, ce qui n'est pas dégueulasse. On va booster ça avec le talisman des pérituels. Ensuite, on va rajouter le petit talisman de la putréfaction, plus le talisman d'exultation du seigneur du sang et l'insigne d'épée des putréfiés. Donc avec ce petit set de talismans, ça va bien picoter. Alors ce petit build là, je ne l'ai pas vu sur YouTube, bon il doit sûrement y être. Celui-ci, je pense qu'il est de ma composition personnelle. Donc il y aura des builds dans cette vidéo qui m'ont été conseillés par certains malandrins, d'autres que j'ai vus sur YouTube. Donc bien sûr, je ne prétends pas avoir inventé tous les builds qui sont dans cette vidéo. Mais vous allez voir qu'il y en a des bien violents et certains que je pense on n'a pas vu ailleurs. Alors pour revenir sur ce petit build à la rapière, on va utiliser le buff Flamme Renforce-moi ainsi que le Serment Doré, plus un petit coup d'étendard de commandant, ce qui va grandement booster nos dégâts. Vous voyez que nos rapières sont montées à 822. Donc pour de la rapière qui tape très vite, c'est pas négligeable, sachant que quand vous tapez avec L1, vous pouvez voir que vous avez un moveset qui est très rapide, qui inflige du saignement et de la putréfaction. Je peux vous dire que les boss, quand ils vont vous voir arriver avec ça, ils vont pas trop fanfaronner. Donc là, vous pouvez voir aussi qu'on est monté en dégâts grâce au talisman des pérituels, car je n'avais pas toute ma vie. Donc là, je l'ai remis afin de booster mes petits dégâts. Donc avec ce build, on va aussi se mettre quelques petites incantations. Donc vraiment, mettez celles que vous préférez. Bien sûr, moi j'ai opté pour des incantations portées sur le saignement. Donc j'ai mis la faveur sanguine, la putréfaction des îles que mâcher une chouette, donc le cri du dragon. Alors celui-là, il est dur à placer, mais quand vous le placez sur un boss, je peux vous dire que ça va bien lui picoter derrière les étiquettes. Donc n'hésitez pas à mettre les sorts que vous préférez. Bien sûr, les builds que je vous montre dans ces vidéos, enfin dans cette vidéo, pardon, n'hésitez pas à les optimiser par vous-même, à les modifier et à les adapter à votre style de jeu. Moi, je vous les montre tels que je les joue. Donc pour celui-ci, je ne garde que deux sorts, donc les deux que vous pouvez voir, ainsi que mes buffs. Donc on va tester tout de suite ce petit build sur Godric. Donc c'est du NG plus 6, donc les boss sont quand même assez résistants. Donc ces builds vous aideront à faire face à toutes les situations. Donc vous pouvez voir que j'ai tenté de lui mettre un dragon dans le gosier, mais malheureusement le dragon, bah, vous prenez des dégâts car il est un peu dur à placer. Mais derrière je l'enchaîne à la rapière et vous pouvez voir que ça fait vraiment de très gros dégâts avec la putréfaction et le saignement. Je peux vous dire que Godric ne passe pas un moment très très fun. Donc on s'est débarrassé de Godric avec ce petit build. N'hésitez pas à l'essayer s'il vous tente, car il est vraiment pas mal. Alors pour le suivant, on va se faire un petit build flamme noire. Donc on va utiliser l'espadon du déicide en plus 10. Toujours l'étendard de commandant afin de booster nos petites statistiques. Le saut du déicide qui va être grandement utile pour nos incantations, car il va booster nos petites incantations de flamme noire. Toujours le talisman d'épée rituelle. Le scorpion de feu, afin d'augmenter notre attaque de feu. Le fragment d'Alexander pour booster notre weapon art, qui va être le cœur de notre build. Et le talisman en toile des ouailles, qui va renforcer grandement la puissance de nos incantations.
Ensuite, dans ma fiole de salut miraculeux, je mets la larme fissurée voilée de flammes, pardon, qui va renforcer temporairement mes attaques de feu. Et là, je peux vous dire qu'on a un build qui picote bien. Et en plus, on va lui rajouter quelques incantations vraiment sympathiques. Donc on va mettre la flamme noire protectrice qui va nous protéger un peu plus pour les dégâts physiques. Donc très bonne petite incantation. On peut aussi utiliser Noble Présence qui fait une sorte de petite attaque de zone pour repousser les ennemis. Donc les buffs, comme d'habitude. Petite boule de feu noir pour les attaques à distance. Donc ce sort, il fait vraiment beaucoup de dégâts. On peut aussi utiliser Fouet de flamme noire que je n'affectionne pas particulièrement. Et le rituel de flamme noire pour faire une grosse attaque de zone et piéger les gourgandines qui vont se mettre à l'intérieur et leur faire de gros dégâts. Alors du coup, pour les incantations que j'utilise personnellement, je ne vais en garder que 3, enfin ainsi que mes petits buffs et mon soin de l'arbre monde que je garde tout le temps. Donc je vais garder flamme noire protectrice, boule de feu noir et rituel des flammes noires. Donc maintenant, je vais vous montrer les dégâts qu'on peut obtenir grâce au buff. Donc de base, on est à 1177, donc c'est quand même des gros dégâts. Ensuite, on va se buffer le Troufignon avec Flamme Renforce-moi, puis le Serment Doré. On va se mettre aussi un petit coup de Fiole de Salut Miraculeux, plus un petit coup d'Étendard de Commandant. Et là, vous allez voir qu'on est monté à donc 1811 de dégâts, donc c'est vraiment des dégâts qui sont énormes. Et avec ce build, je vais beaucoup utiliser le Weapon Art qui pique vraiment très très fort. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur le petit Margit qui lui non plus ne va pas passer un bon moment comme son petit copain Godric. Donc je mets mes buffs avant de lancer le combat. Donc c'est le moment un petit peu longuet quand on se buff le fiac avant d'aller sur le boss. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une perte de temps quand vous allez voir les dégâts que va prendre Margit. Donc maintenant qu'on est bien buffé, on lui fonce dessus, on utilise le Weapon Art, et comme vous pouvez le voir, bah, le Weapon Art, il pique très très fort, comme je vous disais, et dès qu'il y a un peu de distance, vous balancez des boules de feu noir, qui font très mal aussi, et dès qu'il se rapproche, ça marche pour tous les boss bien sûr, vous pétez des Weapon Art, et puis ensuite, petite boule de feu qui fait plaisir, et là vous avez un build vraiment optimisé pour le corps à corps et la distance, très très bon build, sûrement un de mes petits préférés. Donc n'hésitez pas à le tester aussi, celui-là je vous le recommande grandement. Bon bien sûr, il faudra pratiquer l'art de l'esquive quand vous allez au corps à corps, mais il est vraiment très bien. Pour le troisième build de cette vidéo, ça va être mon build préféré, c'est celui que je joue eh bien, tout le temps. Donc on va utiliser double marteau de Marika, qui monte à 988 de dégâts, ainsi que notre petit étendard de commandant comme d'habitude pour booster nos statistiques, le sceau de l'ordre d'or. Donc en plus 10 aussi, essayez d'avoir bien sûr les armes montées au maximum. Toujours le talisman des pérituels, le scorpion sacré qui augmente notre attaque sacrée mais qui nous fait subir plus de dégâts. Le fragment d'Alexander pour le weapon art et le talisman en toile des ouailles pour les incantations. Donc avec ce petit build, on va tout mettre sur la fois. Donc l'enchaînement au double marteau, il est quand même assez rapide et il tape fort. Mais là où est le cœur de ce build, c'est le weapon art qui est vraiment redoutable. Il vous permet de frapper au sol et de faire une petite attaque de zone vraiment sympathique et qui arrache des belles mamans quand ça tombe. Donc un build vraiment sympa si vous aimez les builds de foie. Donc en utilisant aussi nos petits buffs, donc Flamme Renforce-moi, le Serment Doré, ainsi que notre petit étendard de commandant, vous allez voir qu'on va monter assez haut dans les dégâts pour nos petits marteaux. Donc on va arriver à 1342 de dégâts par marteau. Donc c'est vraiment un build qui arrache bien. Couplé à quelques petites incantations qui sont vraiment sympathiques. Donc bien sûr, tout est basé sur la foi dans ce build. Pardon, j'ai un peu bégayé. Donc j'aime beaucoup avoir un petit build foi. Donc on peut se mettre comme incantation étoile d'Elden, qui n'est pas super, mais qui va vous permettre de traquer surtout les petits mobs et de les handicaper pendant le combat. Bon, je ne l'utilise pas personnellement, mais je vous le propose ici. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-là, le Halo de lumière qui fait vraiment très très mal. Ça vous permet de faire une grosse attaque de zone et de ratisser tous les mobs aux alentours. Donc voilà ce que j'utilise pour ce build là en incantation. Donc toujours mes 3 incantations, mon soin de l'arbre monde et mes 2 incantations de buff avec les 2 que je viens de vous montrer. Bien sûr, vous pouvez en mettre d'autres comme le triple halo de lumière, sachant que pour les builds sacrés, vous avez quand même pas mal d'incantations de disponibles. Donc n'hésitez pas à lui trafiquer un petit peu le berlingot à ce petit build. Et je vais vous le montrer tout de suite en action sur Rennala
en NG+6 et vous allez voir qu'elle ne va pas passer un bon moment, la gourgandine. Donc j'ai mis mes petits bœufs dans mon petit gosier. Là j'arrive dans la salle, je vous montre tout de suite le petit halo de lumière de Radagon qui ratisse bien pour les petits mobs. Donc maintenant on va se débarrasser des petits mobs qui ont leur petit cercle afin de faire tomber Rénala à terre. Et vous allez voir que quand elle va tomber à terre, eh bien ce sera sa dernière erreur car la pauvre va prendre assez cher. Avec ce build là vous pourrez venir à bout de n'importe quel boss assez facilement. Et il est vraiment fun à jouer, c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo. Moi c'est mon petit coup de cœur sur cet Elden Ring. J'aime beaucoup les builds fois, donc celui-là j'adore. Et regardez le sort, même sur Rénala, il fait quand même pas mal de dégâts. Là on lui mouline le berlingot à coup de marteau, donc elle n'aura pas le temps de retourner dans sa petite bubule. Elle mourra avant. Et vous allez voir sur sa phase 2, ça va être encore pire. On va lui spammer le gosier de Weapon Art. Et vous allez voir que non seulement le Weapon Art lui fait de gros dégâts, mais ça la fait basculer. Et du coup, elle ne peut plus rien faire. La gourgandine est immobilisée. Et regardez, vous avez qu'à lui mettre 3 Weapon Art dans le gosier en NG6. Elle est quasiment morte. Après, vous la finissez à petits coups de marteau. Et voilà. C'en est tout pour ce petit build marteau foie. Celui-là, je vous le recommande vraiment, pour moi, c'est mon petit préféré. N'hésitez pas à le tester, sachant que des builds foie sur Elden Ring, on n'en voit pas beaucoup. Donc j'espère que celui-ci vous plaira. On passe au build suivant. Alors pour celui-ci, grosse dédicace à Escanor, car c'est lui qui me l'a montré. Donc un build de malandrin fait par des malandrins. Alors on va se munir de 2 aiguillons funestes en plus 10, l'étendard de commandant pour ce buff, le sceau de l'ordre d'or en plus 25 et le bâton du prince de la mort en plus 25. Ensuite, toujours le petit talisman des rituels. On va se prendre le scorpion magique pour buff l'attaque magique, car vous voyez qu'il me buff légèrement les dégâts. Ensuite, le fragment d'Alexander pour les weapon art et le petit talisman de la masculité pour augmenter la puissance des sorcelleries. Donc ce build-là, on va ensuite mettre dans la fiole de salut miraculeux les 2 larmes que je viens de vous montrer, afin de monter notre attaque magique. Et donc ce build de light va être vraiment redoutable, déjà car l'aiguillon funeste c'est vraiment une très bonne arme, et vous allez voir qu'elle est munie de pas mal de weapon art. Mais bien sûr je vous fais tout de suite le petit buff pour que vous puissiez voir les dégâts que vont faire nos petits aiguillons funestes quand on sera buffé. Donc on monte à 1387, donc c'est vraiment redoutable, sachant que les armes sont quand même assez rapides pour de la grosse arme. Donc vous voyez, vous avez le petit enchaînement avec L1, qui est comme je vous disais, assez rapide pour de la grosse arme. Vous pouvez charger votre attaque avec R2, afin d'en mettre une grosse dans les baigneurs des petites gourgandines. Et là vous avez les weapon arts, vous en avez un où vous faites juste une petite bouboule. Vous en avez un deuxième que je viens de louper avec grâce et délicatesse, donc on va se le refaire. Donc un deuxième où vous pouvez faire une petite traînée de flamme noire qui vient chercher les petites gourgandines. Et vous en avez un autre où vous pouvez faire exploser et faire une petite attaque de zone fort sympathique. Donc 3 weapon art pour cette arme là. Bien sûr on la couple avec des sorts. Donc là ce coup-ci je vais mettre des sorts de mort. C'est vraiment un build, on va l'appeler le build de mort. On met tout sur les sorts de mort plus les aiguillons funestes. Et là on a un build qui est quand même assez redoutable au corps à corps et à distance. Donc je vous montre les sorts que j'utilise. Donc vous avez les 3 que je viens de vous montrer. Moi je vous montre ceux avec lesquels je joue. Donc mes 3 sorts habituels, mon soin, mes 2 buffs, et je rajoute flamme spectrale explosive et l'antique rancœur mortelle, qui est vraiment pas mal pour jouer à la distance. Donc maintenant que je vous ai montré ce build, on va aller le voir en action. Alors ce build il est très bien pour affronter les boss qui sont aussi en duo. Il peut faire de gros dégâts, vous allez le voir, on va se faire les vierges ravisseuses et elles vont pas passer un bon moment. Donc d'entrée de jeu, je claque un weapon art. Vous voyez qu'en plus il fait des dégâts sur le long terme. Tant que le boss reste dans le petit sillon de flamme, eh bien il prend un bon tarif. Donc là, je les ai loupés, c'est bien dommage. Donc n'hésitez pas à faire une petite explosion. Vous voyez qu'en 2 weapon art, vous claquez le gosio de la Vierge en NG6. Donc c'est vraiment redoutable. Vous pouvez balancer des anti-crankers mortels afin de jouer la distance dans ce combat. Et vous voyez que le sort, il picote bien. Vous pouvez aussi faire celui-ci, les flammes spectrales explosives. Bon là je l'ai un peu loupé, mais ça vous permettra d'avoir une attaque de zone assez redoutable. Et vous pouvez fignoler le boss au corps à corps bien gentiment.
Donc un build vraiment redoutable. Et rien ne vous empêche, pour un boss bien chiant, de le jouer comme une petite gourgandine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez vous contenter de rester à distance. Bon, c'est certes moins beau, mais au moins le résultat est là. Et vous pourrez vous débarrasser des boss les plus chiants en les spammant tout simplement d'antiques rancœurs mortels. Regardez sur la sentinelle qui vous bloque l'entrée de la capitale. C'est vraiment expéditif. Vous restez à distance, vous lui balancez des bouboules, et ça dégage. J'en perds ma voix. Au secours, voix, reviens. Donc voilà, c'est pas très honorable, mais ça vous permettra de vous débarrasser des boss qui peuvent être chiants. Donc je vous recommande ce petit build aussi qui est assez varié pour la distance et bien sûr le corps à corps. Alors là, vous le jouez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le jouer comme une petite gourgandine, comme je viens de vous montrer, mais c'est possible. On passe au build suivant, donc celui-ci il est assez connu, et c'est le Poto Rise qui me l'a partagé, et il est vraiment pas mal. Alors on se munit d'un bouclier de la méduse, deux espadons royales, et d'un petit seau de granit, toujours le talisman des pérituels, celui de la griffe pour les attaques sautées, le talisman en toile des ouailles, et le talisman du scorpion de foudre. Alors ce build-là, il va être comme je vous disais un petit peu hybride, on va miser sur les éclairs, et une grosse attaque de mêlée. Donc je vais vous montrer deux façons de l'utiliser. Donc comme je vous disais, on a déjà pu l'apercevoir sur d'autres chaînes YouTube. Donc celui-ci, il est vraiment assez connu. Donc pour les dégâts, on est à 1182 par espadon royal sans les buffer. Donc maintenant, en leur buffant le gosier avec les mêmes buffs qu'on utilise depuis le début de la vidéo, on monte à 1488. Donc grosse attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Donc couplé à notre petite attaque sautée, on peut utiliser aussi, comme je vous disais, donc des sorts de foudre, donc l'éclair des dragons anciens. Donc c'est un sort qui pique bien. On peut aussi utiliser la lance de foudre de Fortisax. Et comme je vous disais en début de vidéo, ce build il va être hybride, car quand vous utilisez le bouclier de la méduse et que vous balancez les petits sorts d'éclair juste derrière, ils sont buffés. Donc vous utilisez le weapon art du bouclier de la méduse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On peut utiliser ce build sans utiliser les épées. Moi je voulais vraiment rajouter des épées, histoire que vous ayez aussi une attaque de cac en utilisant ce petit build. Et pour les talismans, toujours les pérituels et le scorpion de foudre. Et on va dégager celui de l'attaque sautée. Et on va mettre les deux talismans en toile afin de buffer nos incantations. Alors ensuite, on utilise le weapon art du bouclier. Et là, on balance le petit sort d'éclair. Et je peux vous dire que ça picote bien. Et grâce à ça, vous pourrez vous débarrasser des boss les plus chiants assez facilement. Donc on va vous le montrer en action. Mais avant ça, je vous montre quand même les sorts. Donc vous utilisez l'éclair des dragons anciens. Vous pouvez vous mettre aussi les éclairs de Fortisax ou d'autres sorts d'éclairs. Et dans votre fiole, vous mettez les deux larmes afin de buffer votre attaque magique et de ne pas consommer de mana. Alors pour l'utilisation, si vous l'utilisez, on va dire, avec les épées, rien ne vous empêche de clencher un petit sort en rentrant dans le combat, histoire d'affaiblir le boss. Et juste derrière, vous passez à l'épée et vous allez lui fignoler le berlingot à grands coups d'attaque sautée. Donc vous pouvez voir que ça fait de gros dégâts. Ensuite, on peut y aller aussi au cac comme un gros bourrin en lui boulinant le berlingot. Donc ça va vraiment taper fort. Donc c'est pour ça que je voulais rajouter des petites épées dans ce build là afin de ne pas faire que du sort d'éclair, même si c'est redoutable, hein, bien sûr. Mais bon, on est là aussi pour le beau jeu. Donc voilà, à coup d'attaque sautée, vous vous débarrassez des boss les plus chiants quand même assez facilement. Donc ça peut être technique de le jouer avec les épées, puisqu'il faut bien sûr aller au contact et regarder son adversaire dans le blanc des yeux. Et pour les boss les plus chiants, je vais vous montrer ça sur le géant de feu. Vous utilisez donc, comme on a vu précédemment, seulement le bouclier et le sort d'éclair. Et vous allez voir que vous allez terrasser ce petit géant en un rien de temps. Ça peut être aussi bien pour tuer la bête d'Elden qui est un sac à PV, ainsi que Radagon. Avec ce build là, vous allez vous en débarrasser, mais illico presto. Donc on se buff le Fiakos, on balance les éclairs, et regardez les dégâts que va prendre le géant de feu. Ça va être quand même assez fou. On va se débarrasser de cette gourgandine de géant vraiment rapidement. Regardez là, ce coup-ci, c'est bien pris les éclairs, et ce petit bracelet de pied, il a pété aussi sec. Vous voyez sa vie qui diminue à la vitesse de l'éclair. On l'a passé en phase 2 quand même assez facilement. Et là, on n'a plus qu'à se recoller à son petit berlingot et lui remettre des éclairs pour se débarrasser de lui. Donc ce build-là, bien sûr, il n'est pas très... Je repère ma voix. Serait-ce le retour du Covid? Donc j'allais dire, ce build-là, il n'est pas très spectaculaire à jouer. Mais parfois, vous allez coincer sur un boss et il va vous falloir du gros matos pour réussir à vous en débarrasser.
Donc n'hésitez pas à utiliser ce build-là. Et comme je vous disais, vraiment pour les boss les plus chiants, tels que le géant de feu ou la bête d'Elden, il est vraiment très bien. On passe au build suivant. Donc celui-ci, ça va faire plaisir à Mondridri. C'est le build de Mondridri. Donc un nouveau build fait par des malandrins. Donc un build de feu. On va se munir de deux messers de feu en plus 25. Ensuite, toujours le petit étendard de commandant. Un saut des géants en plus 25. Et pour les talismans, toujours le fidèle talisman d'épée rituelle. L'insigne d'épée et des putréfiés. Ensuite, on va se mettre aussi le petit talisman en toile des ouailles pour buffer la puissance de nos incantations, pardon. Et le talisman du scorpion de feu. Donc ce build-là, il est vraiment pas mal. Donc vous mettez une cendre de guerre de feu dessus. Donc moi, j'ai mis celui-ci. Donc cette cendre-là qui s'appelle, eh bien, Frappardon, j'avais un petit trou de mémoire, désolé. Donc vous enflammez vos deux épées, donc deux épées qui tapent très vite et qui sont très bien. Donc ça fait plaisir d'avoir un petit build de feu à mettre dans cette vidéo. Donc juste avec les épées enflammées, on est à 858 de dégâts, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour deux épées qui tapent quand même assez vite. Et si on se buff le gosier avec nos deux fidèles buffs plus un petit coup d'étendard de commandant, eh bien je peux vous dire que ça va monter dans les dégâts. On monte à 1236 de dégâts pour de la petite épée qui tape très rapidement. C'est vraiment pas dégueulasse. Et je peux vous dire que les boss, ils vont vous sentir passer quand vous allez les taper avec ce build, qui est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à le tester aussi. Je pense qu'il peut vous plaire. Et pour ce qui est des incantations, on se met grande boule de feu pour la distance et brûle aux flammes, qui est pour ceux qui connaissent un peu Demon Soul, l'équivalent du Tempête de Feu, bon bien sûr, en un peu moins pété, mais qui est vraiment pas mal. Donc vous avez un sort de distance et un sort de cac, et dans votre petite fiole de salut miraculeux, vous mettez la larme fissurée voilée de flammes, afin de buffer votre attaque de feu, et vous allez voir que maintenant, en mettant tous nos petits buffs, plus la petite fiofiole, et ben on va quand même monter un peu plus haut dans les dégâts. Donc tout petit buff est bon à prendre. Donc on se met la fiole dans le gosier. Et là on va regarder nos dégâts. On monte à 1373. Donc pour de la petite épée, c'est vraiment redoutable. Donc je vous montre tout de suite les sorts que j'utilise. Donc grande boule de feu comme on a dit. Et brûle aux flammes. Alors bien sûr, si vous avez d'autres sorts de feu que vous appréciez, comme le tir de magma ou n'importe lequel autre, vous pouvez le mettre dans ce build afin de le compléter et de le faire un petit peu à votre sauce. Et je vous montre tout de suite le build en action. On va aller se repogner le gosier de Margit. Donc le pauvre, on va pas l'épargner dans cette vidéo. Mais bon, ça fait plaisir de lui malmener le berlingot, sachant qu'il en a malmené plus d'un, qui débutait Elden Ring et qui était encore jeune et insouciant. Donc on va aller lui mettre une petite leçon. Et vous allez voir que les épées tapent très fort et tapent surtout très vite. Donc voilà, ça fait que le petit Margit, il prend sa volée. Donc c'est pas le build le plus redoutable de cette vidéo. Mais pour ceux qui aiment les builds de feu, bah ça fait plaisir de vous en présenter un petit. Et que serait une bonne vidéo sur les builds sans un petit build de feu qui se promène dans cette dernière? Donc on y va au cac et on lui fait le baigneur. Et bien sûr, on peut jouer la distance avec nos petits sorts. Donc vous le moulinez, vous reculez. Et dès que vous avez un petit créneau, hop, une grande boule de feu dans son gosier. Et la boule de feu, elle est vraiment pas mal. En plus, elle se lance vite et elle fait mal. Donc voilà pour ce petit build de feu qui est quand même assez sympathique. Donc bien sûr, vous pourrez l'utiliser tout le long de votre game et vous débarrasser de tous les boss avec ce petit build. Donc n'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Dernier build de cette vidéo, et celui-ci va être bien bourrin. Donc deux grands espadons lourds, un sceau de l'ordre d'or en plus 10, toujours le talisman des pérituels, celui de la griffe pour les attaques sautées, et les deux talismans en toile afin de buffer la puissance de nos incantations. Putain, j'ai du mal avec le mot incantation aujourd'hui. Alors donc, pour les deux grosses épées, l'enchaînement avec L1 qui est quand même assez lent, et pour casser un peu la lenteur de ce build, on se met sur les épées la cendre de guerre pas de chevalier limier, qui nous permettra de pouvoir esquiver et de gagner en vitesse dans les combats. Donc ensuite, on se buff le troufignon pour augmenter les dégâts de nos épées. On utilise aussi comme buff l'éclair draconique de Vike, qui est vraiment pas mal. Et là, on peut voir qu'on monte à 1314 de dégâts avec l'épée qui est avec le buff de Vike. On ne peut le mettre que sur une seule arme, celle qui est en main droite. Mais c'est pas grave car l'autre arme est tout de même là, elle n'est pas buffée, mais elle picote quand même. Et on a quand même un build de guerrier, donc n'hésitez pas à mettre quelques sorts de distance avec. J'ai mis grande boule de feu, mais vraiment, vous pouvez mettre le sort que vous voulez.
Donc ensuite, on va aller se le tester en condition. Donc on va se refaire un petit coup de Godric. On va le traumatiser aussi. Et vous pouvez voir que ça lui fait vraiment de gros dégâts. Donc là, je vous le montre vraiment en gros bout. Hein, que même sans utiliser l'attaque sautée, en y allant juste au cac, vous allez détruire tous les boss qui seront sur votre route avec ce build. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fameuse attaque sautée. Donc bien sûr, c'est clairement le cœur du build. C'est recommandé de l'utiliser. Mais même sans le faire, vous pouvez voir que vous faites quand même de gros dégâts. Le boss, il a du mal à encaisser nos coups avec nos deux grosses épées. Et du coup, le build, il est vraiment, mais vraiment très, très sympathique. Donc je vous recommande ce petit build de Gourgandine si vous aimez vous la jouer grosse épée. Je vous ai calé celui-ci dans la vidéo pour avoir un petit air de guts et mouliner des boss à grands coups de mandrin dans le gosier. Et bien sûr, je vous montre quand même l'attaque sautée qui est dévastatrice. Regardez sur la pauvre vierge ravisseuse, vous lui enlevez quasiment un quart de la vie en sautant avec cette petite attaque. Donc vraiment un build redoutable, mes braves. Et sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo où je vous ai présenté mes 6 builds préférés. Donc j'espère que vous en trouverez un qui vous plaira. N'hésitez pas à les tester et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi les builds que vous jouez, conseillez-en moi. Je suis preneur, car je ferai bientôt une vidéo sur les builds de mes balandrins. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la revoyure, mes petits balandrins.